Bon, eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Sabrina 820 Gaming. Je suis très heureuse de vous retrouver pour découvrir ce nouveau Final Fantasy XVI hein, sur PS5. Ouais, j'ai mis la caméra en couleur, mais bon, pas très satisfaite. Faut suivre le jeu avec la sauvegarde de la démo, mais j'ai pas envie, moi. J'ai pas envie. Je peux annuler ça ou je suis obligée? Oui, parce que sur la caméra, je suis vachement rouge, je trouve. Je peux refaire nouvelle partie? Non, je vais faire nouvelle partie. J'ai pas envie de continuer. Moi, je préfère recommencer. J'avais dit que je recommencerai tout. Luminosité, écran, c'est à la moitié. De toute façon, ça va. On laisse comme ça. Attendez, tac. Fichage des sous-titres, vibration, langue du texte, qualité. Ouais, c'est bon ça. Ça, ah oui, c'est les niveaux de difficulté, c'est vrai. Donc, style de jeu permettant de profiter des défis. Oui, bah c'est ça, mode histoire, c'est le mode facile en fait. Donc, on va mettre mode action. Je pense que c'est bon. C'est parti! Les chroniques de l'historien Morse relatent les faits suivants. Valistea était une terre bénie par la sainte lumière des cristaux. Les cristaux mères, qui trônaient aux quatre coins du monde, avaient guidé les hommes vers la prospérité. Mais le désir et l'envie naissant en eux finirent par troubler leur cœur. Et c'est ainsi que commença leur quête. La quête des cristaux. Alors, et attaque. Et R1 ici. Le jour se lève. Les deux camps commencent à s'agiter.
Vous connaissez notre cible. L'émissaire de Shiva. Et uniquement l'émissaire. C'est une femme. On risque pas de la rater. Et d'ailleurs, est-ce qu'on est vraiment sûr qu'elle sera là? Tu sais très bien que tant qu'on a ces marques, on pose pas de questions. Tu ferais bien de t'en souvenir. Allez, on y va. Bon, je sais que je vais me retaper hein, toutes les cinématiques, mais bon, tant pis. Déconne pas, Wyvern. Aujourd'hui, tout va dépendre de toi. Je sais, sergent. Bon. C'est par ici. Suis-moi. Oui, je sais où c'est. Oui, ok. Il faut pas perdre de temps. Ça va bientôt être un beau merdier. Merde, faut se bouger. On arrive juste à temps. J'ai mis la caméra en couleur, mais j'aime pas ça du tout, parce que avec la chaleur, j'ai le visage archi rouge. J'ai pas le visage comme ça, normalement. Alors je sais que la dernière fois que je l'avais fait en live hein, sur YouTube, j'avais fait la démo, j'avais eu une coupure. Les gens de Rouille ne connaissent pas la peur. Partis comme c'est, ils auront même pas besoin de leur nouvel émissaire. Aux portes! Allez, vite! Qu'est-ce que ça signifie? Vous refusez? Nous sommes alliés! Valeud se doit de nous aider! Calmez-vous. Maréchal, vous vous adressez à un roi. Vous vouliez une réponse, vous l'avez. Je ne sais pas ce qui vous inquiète autant.
Ne faites-vous pas confiance à votre armée? Si je me souviens bien, c'est vous qui aviez repoussé les sangs de rouille lors de la dernière guerre, n'est-ce pas? Vous vous en sortirez. Et puis... votre émissaire n'est pas encore intervenu. À mon avis, on ne ferait que vous gêner, non? Et d'après nos espions, le royaume de fer dispose aussi d'un émissaire. Nous ne sommes plus du tout dans la même position. On n'a pas besoin d'eux. Qu'est-ce que vous voulez dire? Si les sangs de rouille prennent cette citadelle... la capitale sera à leur portée. Alors que nos soi-disant alliés décident de nous aider ou non, on n'aura pas le temps d'attendre leur renfort. Donc, il ne reste que moi. Revenez ! Les sangs de rouille vont regretter leur petite excursion au Verponant. C'est fini pour eux. Hugo. Bénédicta. Oh. Prends garde. Est-ce que le loup prend garde quand il chasse un agneau? À moins que tu me prennes pour un agneau. Non, mon amour. Tu es un loup. Tu es mon loup à moi. C'est pas un peu de glace qui va me faire peur, Bénédicta. Mais quand je rentrerai, il faudra me réchauffer. C'est un vrai foutoir. C'est le bon moment. On pourra passer inaperçu. Bon. Bon, je pense que de toute façon, pour l'instant, il n'y a rien à récupérer. Je regarde au fond, la mer est bien réalisée. Hein, graphiquement, c'est vrai que c'est très joli. Moi, je sais pas si par là. Hey, on suit le plan? Affirmatif. Passe devant. Le mec devait en avoir marre de se faire massacrer. On dirait que les sandrouilles sont pas en reste. On bouge.
Ça, c'est de la magie. C'est vrai qu'en fin de compte, moi, je n'ai vu que la démo. Hein. J'ai pas vu de let's play autre que la démo dessus. Alors, je vais vraiment découvrir après. Traîner, Weaver, bouge! Reprends-toi, Wyvern. Tu sais qu'on a une mission à finir. Présent plutôt. Ça finit. Bon, si tu ne te sens pas à la hauteur, tu peux toujours renoncer au titre de gardien. Moi, si mon gardien se retrouvait aussi facilement les fesses dans la boue, je crois que je m'inquiéterais. Je sais qu'il me protégera. Moi, je suis sûre qu'il va gagner. Pas vrai? Vas-y, je sais que tu vas y arriver. Garde. Tu ne voudrais pas décevoir tes fans, hein? Alors, revoir les bases de combat, ouais. On va commencer par revoir les bases. Allez, fais voir ta technique. C'était carré, je crois. Carré.
Appuyer sur le carré pour attaquer. Ouais, c'était ça. Ah, il n'y avait pas Loki. Loki, c'était comment? Je sais pas. Non, c'était pas L1. Ah si, voilà, c'était L1. Très bien. Avec cette agilité, tu brilleras sur le champ de bataille. Mais qu'en est-il de ton aptitude à la magie? Phoenix t'a accordé le pouvoir de ses flammes. Fais-moi une démonstration. Allez, Clive! Montre-moi tes sorts de feu! Qu'est-ce qu'il y a la magie? C'était triangle? Voilà. Magnifique! Bien joué. À ce que je vois, on dirait que tu n'as déjà plus besoin de leçons de magie. C'est trop d'éloges, maître. À moi de lancer les hostilités. En avant, Clive. Tu sais attaquer, mais qu'en est-il de ta défense? Cette fois, tâche de mieux esquiver mes coups, si tu ne veux pas encore tomber dans les pommes. Alors, c'était... Non, c'était pas rond, je crois. Ah non, c'est R1. Puis sur carré pour enchaîner rapidement une attaque. Ouais. Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Ah, l'agilité de la jeunesse me manque. Ah, attends, deux? Bon. Essaye d'esquiver mes attaques. Bah oui, j'essaye. Bien. Oui, il y a Garfield qui est à côté de moi, je l'aurais bien montré. Mais je crois qu'il a peur du ventilateur. Les peuvent être des armes bien plus puissantes que les lames les plus affûtées. Et puis, tu es différent des autres, pas vrai? Garfield. Je suis sûr que tu peux te démarquer. Tu as reçu la bénédiction de Phoenix, et tu es le gardien de ton frère. Utilise ce pouvoir pour t'approcher de moi. Alors, je t'attends. Bah attends, je voudrais montrer mon Garfield. Tu veux pas? Bon, bah tant pis. Alors, la bénédiction déclenchée en appuyant sur rond. D'accord, cela vous permet de... Non, il y a de l'air, il veut pas venir là. Donc rond. Bien. Le but est de prendre ton ennemi au dépourvu. Voilà, je t'ai pris au dépourvu. Et là aussi. Impressionnant. Mais même en étant agile, il est difficile de sortir d'un combat indemne. Parfois, même des blessures d'apparence bénigne peuvent se révéler fatales si elles s'accumulent. Alors, pour rester toujours maître de la situation, fais attention à ton physique et surtout n'oublie pas tes limites. Mais d'ailleurs, j'y pense, tu n'es pas un peu fatigué? Tu devrais te soigner. Alors. Utiliser les objets, c'était... Il est possible... Donc c'est potion, voilà. Ah, se soigner entièrement, bon, d'accord. Très bien. L'issue d'un combat se décide parfois en un seul coup. Tout compte. La bénédiction de Phoenix, la magie, l'adresse à l'épée. Pour faire la différence, tu dois maîtriser chacun de tes atouts au combat. C'est comme ça que tu pourras prendre l'avantage. Point essentiel, c'est d'être alerte et prêt à réagir à tout moment. Assez d'échauffement. On va passer au test. Tu as pris une sacrée douche tout à l'heure. J'espère qu'après ça, tu as les idées fraîches. Je n'attendais que ça. Enfin, un combat sérieux. En garde!
Si tu crois vraiment avoir les capacités pour être un gardien, alors prouve-le. À vos ordres, maître. Allez, jeune homme. Alors, maintenant, passe à l'attaque. Alors, les jeux que je vais faire, en tout cas pas mal sur YouTube ou Twitch, ça va être Final Fantasy XVI et puis Hubris qu'il faut que je termine. Vas-y, je sais que tu vas arriver à le battre. Tu vas y arriver, Clyde. Concentre-toi. Ah bah oui, mais... Là, je suis en train de me... Je l'ai déloqué. On ménage pas ses efforts. Continue, Clive. J'ai hâte, moi, d'être attiré, c'est d'arriver à des véritables boss. Ah. Donc là, oui, bah, R2, ah non, ils disent... C'est R2, je vois même pas. R2 et carré, ouais. D'accord. Ah bah oui, c'est marqué là-bas, il suffit que je regarde, hein. Ouais. À l'évidence. Il va falloir que je me batte sérieusement maintenant. Par contre, je savais pas qu'il fallait le battre en entier. La dernière fois, j'ai pas souvenir là. Ouais. Bah voilà, non, d'accord. Bravo, Clyde. Ouais. Je l'avais dit qu'il y arriverait. Oui. Tu t'es bien débrouillé. Ton style à l'épée me rappelle celui de ton père. Je ne vais plus pouvoir te traiter de gardien de pacotille à présent. Tu peux être fier. Vous vous croyez en pause? À vos postes! De Phénix est précieux. Ne le gâche pas. Mais c'est mon devoir. Mes gardiens me protègent. C'est bien normal. Tu vois? Tu toussais déjà ce matin. Tu n'aurais pas dû sortir. Ça va aller. Ne t'inquiète pas. N'en fais pas trop. L'archiduc est de retour. Père est revenu. Majesté, voyons, ce n'est pas un endroit pour une femme de votre rang. Je suis ici en tant que mère. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal. Cher sujet, vos bons services pour notre nation sont toujours appréciés. Merci, Majesté, à votre service.
Joshua. Tu es sorti sans permission. Je ne te félicite pas. Désolée. Salutations, mère. Viens, Joshua. Il faut aller retrouver ton père. Méchante. Général. J'arrive. C'est pas une façon de traiter son fils, franchement. T'as vu ? Pauvre gamin. Juste parce qu'il a pas hérité de Phoenix. Suivons-les. Bien. Repos. Heureux de vous revoir, père. Bonjour, Joshua. Ça va mieux, j'espère? Oui, père. Je me sens bien. Avec Jill, on est allé voir l'entraînement de Clive aujourd'hui. Ah, vraiment? Silence, Talcor. Et arrête. Du calme. Ce sera un allié de taille plus tard. Père. Relève-toi, Jill. Merci, Majesté. Oh, coucou, Sabrina. Coucou, Inata Gaming. Boubou. Ah, bah, ça y est, du monde qui arrive. Bienvenue, bienvenue. Faut se préparer. Ça fait plaisir te voir sur la CAM. Ah ouais, mais non, je suis rouge. En réalité, je suis pas rouge comme ça. Hein. C'est, je suis rouge tomate là. C'est pour ça que je voulais pas mettre de couleur. Je mettais c'est toujours. C'est la femme d'Anarchie. Ah, la femme de Anarchie. D'accord, mais ça non. Marche. Oh non, ah, non, je suis. Je suis rouge c'est comme belle. Une tomate. Il y a pas la voix ce soir. Si, si, j'ai mis la voix. Il y a pas la voix. Oh, c'est gentil, mais... Bah, si, zut. Si, si, il y a la voix. Et bah, t'es si. Sur PS5. Ouais, je suis sur PS5, je ouais. Je crois qu'on ferait bien d'y aller. Non, non, mais quand je me regarde comme ça, même les bras, tout... Ah non, les bras sont pas si rouges que ça, mais le visage, il est hyper rouge. Je suis pas rouge comme ça. Non, j'aime pas ça, moi. C'est pour arroba ça que je mets... Sabrina 820 gamine, la chose ce soir, on fait. Oui, mais j'ai le ventilateur, j'ai le ventilo qui est juste à côté de moi. Non, c'est ton visage, mais ne t'écatez pas. Non, c'est pas mon visage qui est rouge comme ça. Je suis pas rouge comme ça. Même si je me regarde dans la glace qui est à côté là, je suis pas rouge comme ça. Non, non, je suis pas d'accord. J'aime pas. J'ai mis de la couleur parce qu'il y en a beaucoup qui me disaient mets de la couleur, arrête d'être en noir et blanc. Mais bon, je suis sur Twitch, hein, mais j'ai donc quand même mis de la couleur. T'inquiète. Bah ouais, je suis pas timide. J'aime pas ça la couleur. Ça fait plaisir de te voir en live. C'est gentil de venir en tout cas, bienvenue. Je me sentais un peu seule sur le live, il n'y avait personne. Alors merci à Boubou et à Inata. Inata Gaming. Bienvenue. Ouais. Est-ce que la guerre... Arrobas Boubou et salut. Je dois donc ça, c'était pour l'objectif. Ouais. Allez, essayez de terminer.
Non, puis je suis pas habituée à mettre la couleur. J'ai dû le mettre une fois sur Twitch, je crois. Ça sent trop traîner. L'archiduchesse n'est pas du genre patient. Mais j'aime pas me voir en couleur. Tantôt avec le casque VR, ça se voyait pas, j'avais le casque VR sur la tête. Mais là, j'aime pas me voir. Puis je vous assure, je suis pas rouge comme ça, non. Non. N'oublie pas. Dépêchons-nous de finir l'entretien de ces armes. Alors, forgeron, ouais. Non, c'est pas par là. Ne regarde pas alors. Ouais, j'essaie de pas me regarder. Bah ouais, mais bon. Phoenix faillit sur les montres. C'est quand on. Je mets la caméra, quand je regarde mon écran, je vois ma tête. Donc c'est embêtant, c'est dur de pas se regarder en fait. Parce que je regarde l'écran mais je vois ma tête. Pardon Seigneur Roswell, veuillez excuser cette maladresse de la part. Alors j'ai essayé de régler la luminosité de la caméra, des couleurs, mais enfin, j'y arrive pas, ça fait moche. Il y a des réglages, hein, la caméra PS5 est pas mal. Je vous importune. J'ai essayé de régler la luminosité mais... Ne vous excusez pas, voyons. Mon humble serviteur est vraiment très honoré de vos généreuses paroles, votre Altesse. Ailleurs qu'ici, il n'aurait jamais eu le privilège qu'une personne de votre rang se soucie de lui. Quand on y réfléchit, il a même plutôt de la chance. Les pourvoyeurs de Rosalia ont une vie assez confortable pour des esclaves. Allons, relevez-vous. Bon là c'est pas grave. Alors qu'à la porte de la difficulté, visage qui tire la langue et fait un clin d'œil. Oui c'est pas mal ça, fermer les yeux, ouais. Bien sûr, vos recommandations. Ouais non parce que tu sais la caméra elle est mise en haut à droite, alors quand je regarde ma télé, je vois ma tête en haut à droite quoi. C'est embêtant hein. Alors que quand c'est en noir et blanc, je me soucie pas du fait que je sois rouge comme une tomate. Bonne journée alors. Ou frère, je regarde encore dans les paramètres de luminosité. Allez viens. Il est grand temps qu'on retourne au travail, hein. En tout cas, Hubris, là, que j'ai fait tantôt sur YouTube, j'adore ce jeu. Bon, j'essaierai de le... alors, sympa. Ouais, bah justement, tiens, tu vois, j'en parlais, j'avais pas vu ton message. Hubris, j'adore. Hein. Ouais, ouais. Si je peux recontinuer demain soir, ce serait bien. Ah, tu viens de répondre. Bah oui, j'ai répondu avant que tu mettes la question. Non, non, c'est parce que j'y pensais, je repensais à Hubris que j'ai fait tantôt sur YouTube et c'est vrai que... Non, j'adore Hubris. C'est vraiment bien. Dalgor a faim lui aussi. Je peux me promener là-haut? Tiens, on dirait qu'il y a un petit objet là-bas. On entend un peu ton ventilo, mais c'est pas grave. Ah, zut! Ah bon? Je le pousse... Ah bah ouais, non. Non, parce que qu'est-ce qui enregistre? C'est la caméra, elle enregistre pas, il n'y a pas d'audio. C'est le Le souffle en fait. Le souffle, zut. Ouais, mais si je le recule de trop, ça va plus me faire d'effet. Bon, j'espère que ça vous gêne pas trop, hein. Enfin, tu m'as dit, c'est pas grave, donc... Ouais. Super posture. Quel combat, sire. C'est rare de voir ah ouais, si, si, c'est une touche à son adversaire. Attends. Ouais, est-ce que... Oh, il y a Garfield qui s'en va. Bah, mon petit minou. Oui, si tu l'enlèves, tu seras encore plus rouge. Oui. J'essaye de reprendre le... De le mettre autrement. De ce que là, en fait, je l'ai mis pour qu'il... Bah, qu'il vienne directement sur moi. Alors, effectivement, le vent va peut-être dans le casque. Là c'est bon. Ça va là? Ok. Bon, j'ai moins d'air qui me vient dessus par contre. Parce que c'est en fait mon ventilo, c'est une boule qui. Comme ça quoi. Et puis là j'ai moins d'air qui me vient dessus, mais bon, ça va le faire. Ça va le faire. Merci en tout cas, Boubou, hein, de me l'avoir signalé. Parce qu'effectivement, j'ai dû mettre
Il y a tout l'air qui venait dans le casque. Je me demande si les récoltes seront bonnes cette année. Si la guerre se prolonge, on va manquer de réserve. Hop. J'aime comme cet endroit est calme. Je voudrais là-bas. Pas t'enlever de ton confort non plus. Bah, je sens moins l'air m'arriver en plein visage. Tout à l'heure, j'avais l'air qui me venait en plein visage. C'est bizarre parce que quand j'étais sur casque PSVR... Attends, j'essaye de le remettre. Parce que comme tu dis, déjà que je suis rouge, alors... Voilà, peut-être comme ça. Non, il n'y a rien. Est-ce bien compris? Le pouvoir de Phénix qui s'est incarné en Joshua est unique au monde. S'il lui arrive quoi que ce soit, vous le paierez très cher. Je l'aime pas, elle. Pas la moindre négligence. Oui, Majesté. T'inquiète, je connais c'est pour cas que j'utilise un logiciel de suppression de bruit pendant mes lives. Ah ouais, d'accord, mes ok. Lives. Ouais. Live. Oui, oui, t'es live. Non, non, mais j'ai compris, Boubou. Ouais, non, mais c'est parce que bah, c'est vrai qu'habituellement, je mets pas de ventilo, mais là, si je veux faire des lives, il faut que je mette un ventilo. Mais tantôt, ça s'entendait pas hein, sur PSVR 2. En tout cas, tu m'avais pas fait la remarque hein, du souffle. Pas des petits objets. Bonne chance. Vous m'avez fait mander, Majesté. Que puis-je pour vous? C'est la première fois que j'ai autant de spectateurs sur Twitch. Vous êtes 5. C'est incroyable. Les choses vont-elles mieux dans les terres du Nord? Ah bah, j'avais même pas remarqué sur ton live de cet après-midi. Tout est noir à perte. Ah bah si, il y avait le ventilateur qui était mis aussi. Et il était mis tout près également. Mais tu m'as pas fait la remarque alors que le PSVR 2, ça... C'était peut-être différent, je sais pas. Tôt ou tard, il sera à nos portes. C'est pas vrai. Ici, à Rosalys, nous sommes déjà submergés par le flot des réfugiés venus du nord. Même si nous pouvons les détourner vers le sud, vers Port Iseux... C'est peut pas le même micro en VR. Ouais, c'est pas le même micro, je pense si que c'est ça. Si nous restons sans rien faire, la catastrophe sera inévitable. Il nous faut agir, et vite. Attaquer le royaume. Bah, tant mieux à la rigueur, parce que ça veut dire que sur PSVR 2, je peux me le mettre en pleine face, comme j'ai fait tantôt. L'heure parce que tantôt, j'aurais pas pu faire de live hein, si j'avais pas mis le ventilateur. Il est impératif de leur reprendre souffle drac pour de bon. Sans la bénédiction de ce cristal mère, il nous sera difficile de protéger nos terres. Nous allons donc connaître une nouvelle guerre. Au nom du cristal mère. Demain, nous partons au Fort Phénix. Là-bas, nous écouterons l'augure martial, comme le veut la coutume. En VR, en ce moment, le ventilo est indispensable au visage fatigué. Complètement, complètement. J'ai une mission à te confier avant. C'est pour ça que j'ai pu faire quasiment 3 heures de live tantôt, c'était grâce au ventilateur. Tu dois être au courant, j'imagine. Des hommes bêtes du Nord ont été aperçus sur nos terres. Cette rumeur de gobelins qui ont envahi les marais, j'en ai eu vent, oui. Tu vas donc intervenir sur place. Deux hommes t'accompagneront. Demain, vous partirez en mission dans les marais de Fangebrune. Votre but, les chasser. Ensuite, vous nous rejoindrez au Fort Phénix.
Bon, je me tais, sinon tu vas pas suivre le jeu. Bah, en fait, c'est la démo, donc je connais puisque j'ai fait la démo. Je refais le début qui était dans la démo, donc ça, je connais. Je remplirai ma mission, Majesté. Ce sera tout. Allez, Phil, va te reposer. Bien, Majesté. Ok, je vais causer alors. Il n'y a pas de souci, tu peux causer, tout ça je connais. Je l'ai fait tout ça. L'option chronographie accessible, mais maintenant, permet de lire les informations. Certains objets clés de l'épopée, c'est un outil pratique, accessible à tout moment. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc ça nous parle, ça nous dit, voilà ce que c'est que... 5 cristaux colossaux répartis. D'accord. Bon, ok. Et là, c'est le papa. Ouais. D'accord. Alors, t'as envie de me dire des choses ? Cette guerre qui approche, ce n'est pas qu'une question de mainmise sur les cristaux mères. Qui plus est, il faut impérativement empêcher le royaume de fer de reprendre pied sur le continent du Ver Ponant. Je sais. Hors de question de les laisser débarquer sur nos terres. Veillez sur mon père et mon frère demain. Compte sur moi. Je vais laisser parler Arobazinata Gamine un peu quand même, visage qui tire la langue et fait un clin d'œil. Non, non, il n'y a pas de souci. Tu peux parler, Boubou, comme ça je me sens moins seule. Il n'y a pas de souci. Écoute, je te dis, toute cette partie-là, je la connais, hein, puisque je l'ai faite. Il n'y a pas d'objet par là-bas. Oui, je sais que c'est par là. Mais je l'admire un petit peu quand même. Mais il n'y a rien. Ouais. Salutations, Seigneur. Bon. Combien de temps pars-tu cette fois ? Pas longtemps. 4 jours. Peut-être 5. Et tu comptes emmener Joshua ? C'est l'héritier du sang des Rosfield, tu le sais. Je ne l'emmène pas par choix, tu peux me croire. Notre coutume veut que nous nous rendions au Fort Phoenix avant de partir en guerre. Nous l'avons toujours suivi. Or, seul l'émissaire de Phoenix peut remplir ce rôle. C'est pourquoi je l'emmène. Au diable, la coutume ! Ton fils est malade. Inutile de me le rappeler. Mais c'est avant tout l'émissaire de Phoenix. Le futur archiduc. Tu sais, il ne peut pas rester dans les jupes de sa mère toute sa vie. Elwyn ! Ne t'en fais pas. Clive veillera sur lui. En parlant de lui, même s'il sait se battre... Il reste un garçon de 15 ans. Sois moins sévère avec lui. En tant qu'aîné, il aurait dû incarner Phoenix. Mais ce n'est pas le cas, Elwyn. Notre lignée n'a que faire de la médiocrité d'un premier-né sans rien de spécial. Ne sens pas avec son fils aîné. Tu sais. Mais voyons, tu es l'archiduc de Rosalia. Arrête avec ça. Si je règne actuellement, c'est uniquement parce que mon père est parti avant son heure, je te le rappelle. Dans les faits,
Tant que Joshua est enfant, je sers de régent. Tu as hérité du titre d'archiduc de ton père. Tu règnes sur Rosalia. Un rang digne de nos ancêtres. Toi, au moins, tu n'as pas souillé notre noble lignée. Tu accordes trop d'importance à cette lignée. Un nom ne saurait défendre un peuple. Notre pays vit grâce à ses hommes. Nous partons tôt demain. Je dois me reposer. Vu que je connais pas Final Fantasy, le 16 continue une histoire des précédents. Non, pas du tout. Pas du tout. Ils ont pris un autre univers. C'est... Non, non. Non, parce que le 15, je m'en souviens, c'était okay. Avec le groupe de jeunes, là. C'est ma chance. Le 15, je l'avais pas trop aimé. Il faut que je fasse mes preuves. Mais là, ça me plaît, le scénario. Tu as fait un vœu ? J'ai passé C'est pour ça que, Boubou, tu peux jouer à Final Fantasy 16, il n'y a aucun souci. Tu ne seras pas perdu avec le scénario. Toi aussi, tu pars demain, pas vrai? Non, je ne peux pas jouer. J'ai pas de PS5. Écoute, c'est ce que j'allais dire. J'allais juste dire ça, mais tu peux pas parce que tu n'as pas la PS5. Ouais. Bah oui, c'est une exclusivité, en tout cas pour l'instant. Et moi, je ne peux presque rien faire pour l'aider. Clive... Ce n'est pas la seule raison. Mon père m'a confié une mission. Bon, c'est moi qui vais faire une prière à Métia, alors, pour que vous rentriez sains et saufs. Alors, il y a le minou qui est parti, je sais pas. Ah, il a revient bien. Je voulais vous montrer Garfield, mais bon, je sais ce que Boubou va dire, on dérange pas les chats. Donc. Il va y avoir une autre guerre. Garfield. C'est ça. Depuis que je suis ici, ma vie est devenue si paisible que j'ai cru que le conflit entre nos pays serait le dernier. Par contre, je remarque qu'il y a de plus en plus de jeux cross-plateforme, surtout en VR chez Sony. C'est ouais. Cool. Ah ça, c'est pas mal, ouais. Ouais, ouais. Bah oui, parce qu'on a le jeu de zombies, on a le jeu de golf. Et celle-ci s'annonce plus longue que jamais. Tu t'en sortiras, pas vrai, Clive? Tu es le gardien de Joshua, après tout, et béni par Phoenix. Ah, Garfield, il a peur du ventilateur. C'est ça qu'il est en train de regarder. Il se demande ce que... Oh, il a peur. Il fait froid. On devrait rentrer. Après vous. Bonne nuit, Clive. Bon, la première partie, parce que je m'en souviens, la démo de 2 heures, on avait 1 heure. La première partie, c'était cinématique, hein, le temps qu'ils expliquent le scénario. Après, il y avait plus d'action. Désolé, Ambroisie. Nous n'irons pas chasser aujourd'hui. Et on a d'autres qui arrivent comme Pavlov en cross-platform. Ah oui, Pavlov, ouais, je ne l'ai pas acheté parce que moi je préfère Firewall. J'espère. J'attends le nouveau Firewall. Bonne route. Ou quoi que je peux essayer de demander une clé, ça coûte rien à la rigueur. Pour le fort Phoenix. Que la bénédiction du cristal nous protège.
Et le peuple du feu protège Félix pour l'éternité! Sa Majesté s'en va! Levez la herse! Sir Rosfield, je me charge d'amener votre monture jusqu'au Fort Phoenix. Merci. Les deux compagnons d'armes. Nous sommes prêts à partir, Seigneur. C'est un honneur que de pouvoir vous accompagner, Seigneur Rosfield. Même si nos ordres sont enquêtés, il est tout à fait possible que nous ayons à combattre ces monstres. Les gobelins sont des êtres perfides. Il ne faut surtout pas les sous-estimer. Ils vont voir à qui ils ont affaire. Eh bien, dans ce cas, nous sommes prêts à partir. À votre service, Seigneur. Comptez sur nous. Alors, en route. Que la bénédiction du cristal nous protège. Bon. Vous pouvez vous déplacer instantanément dans toutes les régions de Nininia en plaçant le curseur à Nininia. À partir du chapitre de l'épopée intitulée Le Choc. Bah oui, ce que moi j'en ai des impuissants. Ils deviennent accessibles. D'accord. Bon, je n'ai aucun trophée pour l'instant. Hein. Gardez l'œil ouvert et soyez attentif. Les gobelins ont été aperçus par ici. On arrive dans la zone des marais. Attention à ne pas glisser. Au fait, as-tu regardé le replay de mon live d'hier? Et surtout, est-ce qu'il a plu? Juste pour savoir si je continue des lives sur ce jeu. Alors, je regarderai beaucoup. Visage qui tire la langue et fait un clin d'œil. Je vais pas te mentir, puisque je n'ai pas regardé, parce que c'est ce que j'étais prise. Tantôt, j'ai fait un long live, après, on a fait une petite balade, enfin, voilà, quoi. Donc, j'ai pas eu le temps de regarder ton live d'hier. J'ai mis un petit commentaire, mais effectivement, j'ai pas regardé. Donc, je regarderai et je te mettrai un petit message. Enfin, je te redirai ça. Mais par contre, c'est l'autre jeu que t'avais fait lundi dernier. Celui-ci, j'avais vraiment aimé le scénario. Cette zone est vraiment dans un sale état. Voilà ce qui arrive quand le fléau se rapproche. En fait, j'ai regardé un tout petit peu, mais pas assez pour te dire, pour donner un jugement, quoi. Ces terres ne sont désormais plus habitables. Le hameau qui se trouve plus loin est tombé à l'abandon. Des petites pièces. Oui, Quantum Break, je continue lundi. Ah oui, ouais, bah Quantum Break, ça, je serai là. C'est là la fille qui n'est pas là. Oh, non, je serai là. Ouais, parce que ça, j'aime beaucoup. Hein. Franchement, c'est un style de jeu que j'aime beaucoup. Ouais, puis tu le fais à 21h. Donc, en plus, lundi, je suis toute seule. Donc, je pourrais faire un live avant. L'attaque des gobelins. En avant.
Oui, je sais, le lundi soir qui arrange tout le monde. Oui, oui, c'est bah oui, puis moi maintenant je me suis habituée, hein. Le lundi c'est boubou, hein. C'est comme ça, hein. Ne reviens pas. Voilà. C'était vrai. Il y a bel et bien des gobelins. Continuons. Faut inspecter le périmètre. C'est par là pour prendre. Non, je sais plus. Non, je viens de par là, non? Je sais même plus d'où je viens. Je ne sais plus d'où je viens. Non, je viens de par là. Hein. Non. Non, parce que là, il y a quelque chose. Au début, FF citait pas du tour par tour. Si, au tout début. Au tout début, c'était du tour par tour, les premiers Final Fantasy, ouais. Ouais, ouais. Ils ont complètement changé le style. Seigneur, mais moi, ça me déplaît pas. Ça me déplaît pas. Hein, cette... Enfin, même déjà dans le 15, hein, c'était comme ça. Dans le 15, c'était des combats. J'avais bien aimé le 15, mais je sais pas, pas. J'ai pas raffolé, quoi. Allez, pas me chercher. En fait, dans le 15, ce qui m'a embêté, ce sont les longs trajets en voiture, quoi. Et voilà. Non. Donc là-bas. Mais je vais farfouiller un petit peu. Donc bien qu'il n'y a rien à farfouiller. Hein. Là, c'est par là que je viens. Hein. Ouais. Là-bas, il y a quelque chose. Ah bah oui, mais... Potions, bah ça va, j'en ai des potions. Ici, il y avait des choses, non, il n'y a rien d'autre. Ah bah non! Prenez garde, certains d'entre eux maîtrisent la magie. Et il y en a un paquet, c'est pour ce partage, Tyler. Ouais, il y en a un paquet. Bon, les premiers ennemis sont faciles, hein. Évidemment, c'est après que ça se compliquera. Il y a quelque chose là. J'ai trop de potions, c'est embêtant ça. J'avais fait un jeu il y a longtemps, Custom Quest 2 il y a longtemps, et j'avais bien aimé, et c'est là que je m'étais intéressé à FF. D'accord. La place du village se trouve. T'avais fait, tu dis. Ouais, j'ai non, Custom Quest, je connais pas. Là. Bah, moi, en fait, Final Fantasy, pour la petite histoire, quand j'ai eu ma PlayStation 1, le premier jeu auquel j'ai joué, le premier jeu que j'ai acheté, c'était Final Fantasy 7. Donc mon tout premier jeu PlayStation 1, c'était FF7. Et forcément, j'ai adoré. Et c'est mon frère qui me l'avait conseillé, parce qu'il connaissait mon style de jeu. Déjà à l'époque, j'avais fait Landstalker sur Mega Drive, donc il m'a dit Final Fantasy, tu vas adorer. Un jeu avec des enfants pendant Halloween où il y a du tour par tour. Ah ouais, ok, non, je connais pas. Ouais, j'avais joué à quoi sur... Oh, parce que j'ai eu la Game Boy aussi. Seigneur. Donc j'avais joué à pas mal de petits RPG.
Leur chef est là. Oh, il y a le big chef. Mais on va commencer par s'occuper des autres d'abord. On se relâche pas, Wade. T'inquiète, tu peux compter sur moi. Ils utilisent la magie, c'est pas bien ça. Très mignon à l'époque, visage souriant avec cœur. Très mignon à l'époque, bah ouais, tu m'étonnes. Il reste plus que celui-là. Voilà le premier boss, on va dire. Relève-toi vite, Wade. Préparez-vous. Bon, oui. D'accord. Quelle force! Il faut qu'on évite ce coup. Esquivez si vous voyez qu'il en amorce un autre. C'est bon. Bah oui, on va pas se laisser. Ah bah oui, esquiver. Bon, il n'y a pas la jauge d'endurance comme dans Dark Souls. Hein. Donc ça va, on peut taper comme on veut. N'importe Nawak en fait là, mais c'est pas grave. Oh là, il est pas content du tout. Ah. Il est possible de réaliser une parade avec son épée en appuyant sur carré, amour. Ah bon, en appuyant sur carré. Tiens donc. Alors, je vais même pas voir la jauge de santé à cause de la caméra qui est juste à côté. Bon, excusez-moi, on voit pas combien il lui reste de santé. C'est fini. Tiens, vous voyez, avec l'éclairage, le soleil qui se couche, j'ai l'impression que je suis moins rouge dans la caméra. Je sais pas si c'est qu'une idée, mais j'ai l'impression que je suis moins rouge. Ça fiche, ouais, l'arbre de récompense, oui. Ben oui, mais on prend, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Mais va-t'en, sale gobelin. Il s'enfuit, le lâche. On le suit. Il ne faut pas qu'il rejoigne les autres. Améliorer les équipements et les compétences. Il est possible de s'équiper de nouvelles. Ouais, on va aller voir ça. On va aller voir ça. Alors. Donc, état, équipement... Cherche pas d'excuses, t'es une indienne d'Amérique. On le sait tout. Mais non, je trouve que je suis moins rouge. Je sais pas, c'était le soleil, c'est tout. Voilà, quoi.
Allez, moi j'équipe tout, je regarde même pas ce que c'est. Ah non, des accessoires, moi je regarde quand même. Bon, allez, ça, voilà. Compétences. Bon, j'avoue, tu es maintenant ta moitié blanche barre oblique rouge. Bah oui, oui, je suis plus blanche, je trouve. Bah oui. Bah oui, c'est vrai. Ah, il y en a d'autres ici. Oh, mais ça, j'ai déjà. En fait, faut que il m'oblige à tout augmenter, quoi. Ici. Bon. On verra ça par la suite, tout ça. Super potion. Le voilà. Viens là, gobelin. Il n'y a pas de choses à récupérer, hein, que... non. Fais tes prières. Bon, par contre, plus d'excuses pour faire un mini golf ensemble. Tu as joué en VR cet après-midi. Avec le ventilateur. Mais t'as raison, plus d'excuses. Ouais. C'est vrai. Bah, le qu'il y a, ouais, parce que c'est vrai que la dernière fois je voulais lancer un live, je me suis dit on viendra me rejoindre. Ah oui, il y avait lui à battre aussi. Bah écoute, quand je lancerai un live, il y a un live au bout, tu viendras me rejoindre si tu veux. Hein. Le souffle des morboles est corrosif. Ah oui, je me souvenais plus qu'il y avait lui. Attaquons-le sans prendre trop de risques. Je me souvenais plus. Mais pour le mini-golf, oui, avec plaisir, parce que c'est vrai que ça me manque, ça fait longtemps que j'ai porté mon mini-golf. C'était trop rigolo, quoi. Aïe. Histoire de sortir des bêtises. Histoire de sortir des bêtises. Mais non, tu dis pas de bêtises, c'est vrai. Il faut qu'on fasse un mini-golf. C'est pas des bêtises. Allez, 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 allez. Ouais, il part. Ah. Ah, oui. Qu'est-ce qu'il fiche ? Les bêtises. Je sais pas, mais je crains le histoire. Ah oui, oui, de refaire un mini-golf pour entendre tes bêtises. C'est ça que tu veux dire ? Bah ouais. Oh mince, 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 c'est pas bien ce que je fais. J'y compte pas. Moi aussi, c'est bien. Carré. Bon, il a quand même du mal à perdre de la vie. Hein. Oh,
Ah. Bonjour Garfield. Vous aurez bien montré mon Garfield à la caméra, mais celui il veut pas se montrer, il est timide. Hein. Attention, il nous refait le coup. Ah oui. Je ne me laisserai pas faire. C'est R1 là. C'est bon. Bon, quand c'est comme ça, malheureusement, je vois plus la vie qui lui reste. Et ben voilà. Non, pas encore. Avoir eu la forme Sabrina. Rafalito, coucou Rafalito, comment vas-tu? Oui, c'est vrai, c'est toi qui venais sur mes lives de Dark Souls. Comment vas-tu? Bon, ça y est, il est battu. Hello arrobase Rafalito 44. Tenez. Merci. Je n'en reviens vraiment pas. Qu'il y ait des gobelins sur nos terres passe encore, mais même un morbol. Je demanderai à Sa Majesté d'envoyer des troupes. Super bien, merci. Alors ce jeu te plaît? Ouais, bah là c'est toujours le début. C'était ce que j'ai fait dans la démo pour l'instant. Hein. Je connais. On devrait repartir. Hop, il fait pas bon au départ ici la nuit. Si on là, c'était encore la partie de la démo. La tombée de la nuit. En tout cas, ça fait super plaisir parce que je vois qu'il y a c'est marqué 5 spectateurs. J'ai jamais eu autant de monde sur Twitch. Encore le fléau. Bon, donc là-bas. Mon dieu, saint vie ouvert la révolution. Ça, ouais, c'était même marqué 6 tout à l'heure. Je l'avais pas redit, mais c'était même marqué 6. La communauté Twitch est loyale aussi. Enfin, je le pense. Ouais, alors après, moi, je connais pas assez Twitch, hein, parce que comme je suis tout le temps sur YouTube. Oh, mais sur YouTube, quand même, on a une bonne petite communauté. On s'est coucou, je ne peux rester car ma connexion me joue des tours, mais bon stream à toi. Il n'y a pas de souci, Samuel, c'est gentil d'être venu faire un petit coucou, merci beaucoup, et puis bah, bonne soirée à toi, merci de ton passage. Ils ont voltigé dans tous les sens. À boire, à suite. Allez, buvez et profitez. Salut, arrobase Sabrina820 gamine, et au revoir. Salut et au revoir, bah pourquoi tu dis ça, Boubou? Pourquoi Boubou dit ça? Je suis sûr qu'il va devenir quelqu'un plus tard. Oui. La prochaine fois, on devrait le convaincre de boire avec nous. mmh.
Je me suis trompé de pseudo @samuel-69570. Je me disais, il n'y a pas de souci, Boubou. Oh, je me suis dit, t'as voulu me dire une bêtise. Oh, c'est pas grave, hein, tu sais. C'est pas grave. Ça ne va pas? Super. Je suis juste fatiguée. C'est vrai, la journée fut longue. Ils sont fiers de Clive, n'est-ce pas? Oui. Ton frère est devenu un vrai gardien. Moi-même, je suis fier. Et je peux pas supprimer mes messages en plus. Ouais, pourtant, t'es modérateur dans Boubou, je t'avais mis modérateur, hein, je crois. Toujours dans notre famille. Alors comme j'y connais rien, moi. Je ne comprends pas pourquoi. C'est que sans les cristaux, les hommes ne peuvent pas vivre. Mais il faut aussi que quelqu'un leur transmette ce pouvoir. Ce quelqu'un, c'est toi, Joshua. Ton destin en tant qu'émissaire... C'est qui le gamin ? C'est le pouvoir du primordial. C'est qui le gamin? Pour rôle de partager lui ce bienfait avec le c'est le phénix, c'est le frère du héros. C'est bien le problème d'être modo. C'est bien le problème d'être modo, c'est-à-dire. T'es un modo qui peut pas supprimer les messages, c'est ça? Parce que j'y connais rien sur Twitch, hein, donc. Je sais que je t'avais mis modo, j'ai dû mettre les stats aussi. Je vous entends pas, plus fort. Je vais prendre l'air un moment. Tu m'as encore suivi discrètement. Tu te vois déjà comme un allié de taille, hein? Je me demandais où tu étais. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'étais pas au banquet. C'est l'unique moment où les gardiens ont un peu de répit. Et... j'ai jamais vraiment aimé les fêtes. En plus, ils ont servi des carottes. Carottes, ça rend aimable. Hein. Bonsoir, @rafalito44. Rafalito, j'ai dit bonjour à Rafalito. Il paraît que t'as tué un morbol. Tout le monde te voit comme un héros. Tu peux venir là? Je n'en suis pas si sûr. Beaucoup me voient encore comme le canard boiteux de la famille royale. Il fallait au moins que je sache me battre, sinon je leur donnais raison. Et je ne veux pas être un prince bon à rien. C'est en toi qu'ils croient tous. Je t'envie. Désolé, je ne m'adresse qu'à la comtesse Sabrina. Sabon veut voir ton chat. Garde-Garfield, tu te vois, regarde. T'as vu? Il a 17 ans, le pépère. C'est pas juste. Ça tirait bien mieux. Je ne suis pas assez brave pour m'aider à notre pays. Plus j'ai plein de poils de... Mais pas le cran. Voilà, vous l'avez vu. Il a l'air heureux. Oui. Oh oui, c'est un pépère. Mais bon, c'est vrai, comme je dis, il a 17 ans, alors c'est vrai que je suis très inquiète, hein. C'est une tradition ancienne. Notre peuple a décidé que l'émissaire deviendrait archiduc et dirigerait Rosalia. Castré.
Oui, bah oui, c'est. Ouais, il a été castré. Ah, j'avoue, il a des poils de chat. Surgit des flammes. Ouais, castré depuis qu'il est tout jeune, ouais. Le destin de Rosalia est lié à celui de l'émissaire. C'est à toi qu'il incombe de nous protéger. C'est ça, mon destin. J'ai la bénédiction de Phénix. Mon rôle de gardien est de te protéger, toi. Je défends le futur archiduc. Nos destins sont liés. Tu pourras toujours compter sur moi. Quoi qu'il arrive. Merci, Clive. Ça me rassure de t'avoir avec moi. Mais pour ça, il faut que tu prennes un peu plus soin de toi. D'accord ? Alors je vais rentrer. C'est l'heure de dormir. Bonne nuit, Talgor. Les persos sont très androgynes, Made in Japan. Ouais, ça fait très Made in Japan, c'est vrai, oui. Bah. Oh, souvent, je trouve même le 15, hein, les persos étaient un peu pareils hein, au niveau des dessins des personnages. Mais moi, celui-ci, d'emblée, il me plaît beaucoup mieux que le 15. Ah, bon, je suis qu'au début, mais le 15, ce que je dis, je m'en souviens des longues balades en voiture pour aller d'un point A à un point B. Je dis pas qu'il était pas bien le 15, mais c'est pas mon préféré. Ravitaillement de la capitale. Et c'est pour ça que j'ai failli ne pas acheter le 16 en fait, parce que j'ai été déçu du 15. Je n'ai joué à aucun FN LOL, je pars de loin niveau connaissance. Ah oui. En tout cas, le 16, je veux dire, au niveau scénario, ça n'a rien à voir avec les autres. Hein. Donc si tu connais pas le scénario, c'est pas grave, quoi. Ils ont vraiment repris une nouvelle histoire et même tiré. Oh là, bah oui, c'est vrai. Je dis oh là, mais je sais ce qui va se passer. J'y attends le 22. J'attends le 22. T'attends Final Fantasy 22. Ok. Dans de nombreuses années, si nous sommes toujours là. Pour Final Fantasy 22. Bah dans 6. Oui, non. Ça fait 6 Final Fantasy entre deux. Déjà entre le 15 et le 16, hein, il y a pas mal d'années qui se sont écoulées. Bon, c'est là que les gros méchants. Tout est prêt, capitaine. On procède comme prévu. Pardonnez-moi, Altesse. C'est moi, Wade. Excusez cette intrusion, mais... Ce n'est rien. Qu'est-ce qu'il y a ? On nous attaque. J'ignore qui ils sont, mais ils ont mis le feu à plusieurs endroits du château. Je vais vous emmener vers une porte dérobée. Très bien. Allons-y. Bon, là, on va jouer le petit garçon. Le jeune Phénix. Donc tout ça, ça faisait partie de la démo. Est déjà dans nos murs. Oui, les dégâts sont importants, Votre Altesse. Mmh.
Qu'est-ce qui se passe? Je passe devant. Ouais, de toute façon, il n'y a rien à récupérer. Il y a le feu partout. Reculez, ce sont des unités ennemies. Comme on attaque avec lui déjà. Je dois faire mon devoir. Bah, comme ça. À la fête. Et ils s'amusaient. C'est les couleurs de Sandbreak. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il faut qu'on trouve mon père. Mmh. Encore une fois, tout ce que je fais là, tout ce que j'ai fait pour l'instant, hein, je le connais déjà. Mais je préférais refaire tout directement. Attention, Wade! Ouais, c'est pas mal, c'est... mais il fatigue, hein, le petit garçon quand il est. Mais ses attaques sont pas mal. Mais combien ils sont? Sandbreak est pourtant notre allié. Je ne comprends pas. Il va falloir descendre. Est-ce que... Non, il n'y avait rien là. Non, plutôt. Ah mince. Bon. Je m'occupe de Phoenix. Heureusement, vous n'êtes pas blessé. Je pars aussi, je peux y retourner. Je voulais aller voir en bas s'il y avait quelque chose. Mais il n'y a rien, ça sert à rien. Bon. Tu vas bien? Tyler, tu es blessé. Ce n'est rien. Grâce à Sir Joshua. Majesté, mon général! Bon, là, la démo va bientôt... Ah non, il y a encore, voyez, un combat contre un gros méchant. Et la démo va bientôt se terminer. Je n'oublierai pas votre geste. Merci, Majesté. Oh. Il ne faut pas rester ici. Sortons vite par l'arrière. Pourvu qu'il arrive à temps chez les nôtres.
Allez à la porte nord. Vous y trouverez des montures. Père, emmenez Joshua dans un endroit sûr. Non ! Il faut que tu viennes avec nous. C'est toi qui dois me protéger, t'as promis. Justement, c'est bien pour ça que je vais les retenir, pour que tu puisses t'échapper. Les survivants vont se regrouper à la porte nord. Partez. Je dois faire mon devoir. Et toi, tu dois faire le tien. Oui, je sais. C'est toi qui dois protéger Père. Mais dis donc, vous êtes bien calme, hein, sur le chat. Joshua. Bon. Je sais pas à quoi ça sert le sel de machin. Attendez, je suis peut-être regardée. On va faire un petit tour. Il n'y a pas un inventaire objet. Aperçu et bien j'entends. Qui renforce de façon éphémère les capacités physiques. Ah d'accord, celui qui la consomme. Ok. Ah bah non, celle de défense, mais c'est, ça dépend ce que j'ai, celle de force. Enfin bon, le sel, c'est pour augmenter les capacités. D'accord. Oh, on l'a déjà battu. On nous a trahis. Attendez, je sais même plus où je dois aller là. Là ? C'est pas vrai. Je sais qu'il va y avoir un autre. Ça doit être ici qu'il va y avoir le encore un boss, lui. Capitaine. Bon, c'est pas que je veux voir du Dark Soul partout, mais avouez quand même qu'il a. J'étais parti me nourrir. Mais y a pas de souci, Boubou, y a pas de souci, t'as le droit de manger. Je t'autorise à manger, tu vois, je suis gentille. J'allais dire, je trouve quand même, écoutez, ils ont un petit air des persos de Dark Souls quand même, non? C'est pas que je voyais du Dark Souls partout, hein. Ben, j'espère que t'as bien mangé, Boubou. Hein. Ça y est? Bien battu. Pas de blessure. Trop d'honneur, chère comtesse. Je suis inquiet pour mon père et mon frère. Pressons le pas. Ah, attendez, c'est là qu'il y a le gros méchant. Là. Ouais, c'est lui. Et ça ressemble à Dark Souls quand même. On est d'accord, non? Hein? Ne croyez pas toujours m'échapper. Ça, c'est un gros méchant. Ça. Chevalier dragon impérial. Tu es le gardien flamboyant béni par Phénix. Maintenant, ça te refroidir. Alors, c'est du gros méchant. Bon, il est moins dur que Dark Souls, c'est sûr. Mon sang, il est agile.
Comtesse, pardon. Comtesse, non mais t'inquiète pas, pourquoi t'avais pas écrit comtesse? Attends, il fait une faute d'orthographe, c'est ça. C'est pas grave, je t'en veux pas pour les fautes. On sait que c'est le vérificateur. Bah attends, non. Oui, mais moi je m'en veux. Oh, ouais, j'ai remarqué que quand tu faisais des fautes, tu remettais, tu corrigeais derrière. T'aimes pas faire des fautes sur les chats. Mais c'est pas grave sur les chats. On sait qu'il y a le vérificateur qui change nos mots. Vois combien de fois j'ai écrit quelque chose et puis ça me mettait autre chose. Bizarre, j'ai même pas perdu, ne serait-ce pour l'instant, quoi que ce soit. Ah là, elle peut se détruire quand même. Et pourtant, j'en fais plein, et tu te dis M. Oh bah, je peux pas dire non, bah je... Oh non, je trouve que tu... Je sais pas, à chaque fois que tu fais une faute, tu corriges souvent. Bah tu sais, les fautes sur les chats, je regarde pas, moi, hein, franchement... Parce que moi c'est pareil, des fois quand je mets des messages, ça modifie ce que je veux mettre. Bah oui, il me paraît beaucoup plus facile que la première fois où j'y suis allée. Ah bah ouais, mais je savais qu'il allait arriver là, pourquoi j'ai... Bonne chose de fait. Voilà. Par contre, quand on fait du Dark Soul, quand on bat des boss, oui, on a un petit trophée. Ça, avec... Donc j'essaie de bien écrire l'usage oui. Qui tire la langue et fait un clin d'œil. Oui, c'est vrai que la dame, elle est bête, hein. Elle sait pas traduire correctement. Est-ce que tu es blessé? Ça va. Ils ont envoyé un chevalier dragon. Ces maudits impériaux. Ils veulent déclencher une guerre ou quoi? Je suis un vieux, faut pas oublier. Bah ouais, mais on est de la même année. Moi aussi, je suis une vieille. Ils ne voulaient pas prendre le fort. Ils avaient une autre idée. Et justement, en fait. Les vieux écrivent mieux que les jeunes. Quoi qu'il enfin, en moi, soit, c'est mon avis perso. Hein. Nous devrions rejoindre mon père. Clive, regarde. Ce sont les insignes rosaliens qu'on a distribués avant le départ. Il y a des traîtres dans nos rangs. Et s'il y en a d'autres? Mon père et mon frère sont en danger. Ancel, tout de suite. C'est quoi ce bruit? Bon, étant jeune, j'écrivais comme un M, aussi. Tu t'es amélioré, alors? Non, étant jeune, c'est vrai que je faisais pas mal de fautes. Mais après, je me suis mise à beaucoup bouquiner, en fait. J'ai lu plein de... Bah, quand j'étais jeune, quand j'étais adolescente, je lisais plein de romans. Et je pense que c'est ça qui m'a bien aidée. Maintenant, je dis pas que je fais jamais de fautes, hein. Content. Quand tu fais des mailles pro, t'es obligé aussi. Oui, avec les mails, les mailles, elle dit les mailles. La dame, quand elle traduit. Rentrons à Rosalys, rassembler nos forces. Il est impératif de protéger Joshua jusqu'à la ville. En selle, Joshua. Ah là 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 là. Eh ouais. Je regrette, Majesté, mais pour vous, le voyage s'arrête ici. Bande de sales traîtres! Reculez, sale
le fou ! Bouge, Joshua, vite ! Non ! Ah ouais, quand j'ai vu ce passage-là la première fois, assez dur. La démo s'arrête où ? Elle s'arrête bientôt. Elle s'arrête bientôt. Justement, ça, ça faisait partie de la démo également. Quand j'avais vu ça... En fait, après, il va y avoir une poursuite entre deux phénix. Enfin, je crois que c'est deux phénix. Et ça va s'arrêter juste après. Elle durait 2 heures pile, hein, la démo. Tu devras faire ton devoir. C'est toi qui dois protéger Père. Je le protège. Je compte sur toi, Joshua. Regardez. Oh, c'est Anarchie, ça, Anagero. Coucou, en tout cas, mais il me semble que c'est pas Anarchie, Anagero. Oui. C'est Phoenix. Oui, c'est ça, hein, c'est d'accord, lui. Hinata. Oui, c'est lui, oui, d'accord. C'est Anarchie. D'accord. D'accord, non, c'est pour ça. Moi, j'ai l'habitude de dire Anarchie, effectivement. Alors, je vais t'appeler Anarchie. Bienvenue, Anarchie. Qu'est-ce qui se passe? Il n'arrive plus à se contrôler. Il faut que je l'aide. Bah, j'espère que tu vas bien, en tout cas, Anarchie. Avec ces grosses chaleurs. Et badaboum, et voilà. Hello, arrobas Anasiro, qui que tu sois. Qui que tu sois. Et ouais. Oui, je suis sur dîner. Je suis sur dîner. C'est quoi? C'est un jeu dîner ou t'es en train de dîner? Vite. Disney. Ah, Disney. D'accord. Ok. Tu es sur Disney Dreamlight, c'est ça? Tu souffres. C'est pas le moment. Oui. Ok. Bon sang, il est toujours pas gratuit. Hein. Il devait être gratuit, je ce jeu. Gardien. Regardez, lui aussi va se transformer. Je dois... C'est la première fois que tu mets ta CAM, c'est cool ça. Arobazanasiro sont ta femme, arobazinatagamine. En fait, c'est pas la première fois que je mets la caméra, mais c'est l'une des premières fois que je la mets en couleur en tout cas. Parce que je l'ai mise quand même un certain nombre de fois, mais en noir et blanc. Un autre primordial de feu? C'est impossible! @anasiro, oui, elle a voulu vous montrer quel état rouge en fait. Ah, je suis déjà complexée de voir que je suis rouge comme une tomate, boubou, qu'en rajoute une couche. Allez, tiens. @bouboubxdmdrlol. Depuis le début du live, j'arrête pas de dire je suis rouge comme une tomate. Faut pas rougir, MDR, bébé. Faut pas rougir, ouais. Bah attends, je vais rougir encore plus, là. Alors là, Phoenix est primordial de feu. Donc moi, c'est le primordial de feu qu'il faut que je batte là. L, triangle, R1, ouais. Attaque, ah oui, mais attendez, ouais. Ah oui, il faut que je batte le primordial de feu. Non, le primordial de feu, c'est pas le frère. C'est un gros méchant qui est arrivé.
Nous, on joue le rôle du phénix, là, en fait. Donc, en fait, la démo, elle va s'arrêter quasiment juste après ce passage. Là, on joue, en fait, Joshua, qui est transformé en phénix. Et qui est en train de combattre un primordial de feu. Je le vois plus en plus, il est là. Tu dois les sauver, mais... C'est mon rôle de les protéger. Je vais continuer un tout petit peu après la démo, hein, pas longtemps. Parce que ce que je voulais refaire aujourd'hui, en fait, c'était la première partie, hein, qui correspond à la démo. Attendez, je le vois même pas. Qu'est-ce que je fais, moi? Effectivement, quand on rejoue une deuxième fois, on se rend plus compte de certaines choses. Parce que la première fois, j'avais manqué des choses. Déjà, je comprenais pas trop ce qui se passait ici. Là, je comprends. On joue bien Joshua qui est transformé en phénix et qui bat un autre machin de feu qui n'est pas son frère. On va plus voir la barre de vie maintenant avec la caméra. Je suis un phénix, j'ai ressuscité, d'accord, ok, oui, c'est ça. Et l'autre, il est mort quand même. Bon, d'accord. Ok.
Et voilà un gros boom. Sale monstre. Je vais te tuer. Tu vas me le payer. Alors là, on va voir qui était le traître. Aidez-moi. Eh ben, quel carnage. Dire que Phoenix est mort dans tout ça. Quelle misère, franchement. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Majesté ? Ah, en voilà une question, capitaine. Joshua a disparu. Tout est terminé. À présent, je m'en remets au nouveau monde de sa sainteté. Notre avenir lui appartient. Très bien. Majesté, par ici. Il était sous les débris, ça a dû le protéger des flammes. Voulez-vous qu'on l'emmène ? Pas la peine. Tuez-le. C'est une gentille maman, hein ? Non. Il a reçu la fameuse bénédiction. On pourrait l'envoyer au front. Peut-être qu'il ne serait pas complètement inutile dans l'armée de sa sainteté, après tout. Faites-en ce que vous voudrez. Emmenez-le. Allez, relève-toi. Je te garantis que tu vas en... Bénédiction ou malédiction, en fait. Je sais pas si c'est une bénédiction, hein. Et c'est là que la démo se terminait, voilà. Donc, évidemment, là, c'est le jeu complet, mais c'est là que la démo se terminait. Donc, après, je ne connais pas. Bah après, en fait, parce que comme c'était 13 ans plus tôt, tout à l'heure, là, voilà, 13 ans plus tard, bah c'est ce que je disais. Comme tout à l'heure, on est repassé 13 ans plus tôt, on repasse 13 ans plus tard. Bien dormi ?
Eh bien, faisons la suite alors. Un petit peu, ouais. Oui, il est 9h. Ouais. Pour résumer, Shiva et Titan, comme tu vois, ils nous ont compliqué le travail. Alors, vous aviez raison. Les Sandros y ont sonné la retraite. Donc on les suit. Nous ne sommes plus que trois, sergent. Si on rentre sans la tête de Shiva, tu sais bien qu'on finira tout aussi mort que Biast. Alors autant essayer de finir la mission. Au moins, ça nous laisse une chance. Assez discuté. On y va. Je compte pas y rester. Pas comme ça. Dans ce cas, ça tombe bien. Parce que... Bon, c'est pas tout ça, mais on a une armée à poursuivre. Voilà, donc là... Ah bah j'ai mon premier trophée, dis donc. Bravo. C'est pour ça que j'ai le visage caché, hein, vous inquiétez pas. Compétence de Phénix. Grâce aux souvenirs des événements de son adolescence, Clive peut désormais faire appel aux compétences de Phénix. Il est possible d'obtenir et d'améliorer les compétences cyclone. Car là, Théon incendiaire dans l'onglet compétences, les équiper dans l'onglet, d'accord. Bah déjà, objet bonus désormais possible d'obtenir, d'accord. Boîte de réception de l'onglet système. Ok, on va aller voir ça. Alors, système, c'est là. Ah, je peux pas sauvegarder là. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit ce que... Boîte de réception. Du menu système. Ah, bah, c'est ça peut-être. Ça, en fait, c'est parce que j'ai précommandé le jeu, donc j'ai obtenu ça. Par contre, je peux pas sauvegarder. Ils redeviennent vulnérables sous leur forme humaine. Je ne peux pas sauvegarder? Non, je ne peux pas. Compétence. Ah bah oui, ça y est, j'ai débloqué. Ah bah non, je peux pas, mince, ouais. Donc je vais pouvoir débloquer par ici, en fait. Ouais. Ok. Je vais regarder quelque chose. Équipement. Ça, c'est mieux. Bah oui. Voilà, j'ai que ça. C'est quoi? C'est ça qui est nouveau? Bon. Allez, on y va. Par contre, c'est bizarre, je peux pas sauvegarder. Hein. Pas encore. Non, on va attendre un petit peu. Donc l'histoire commence vraiment. Mais c'est vrai que c'était quand même pas mal. Ils nous ont mis une bonne démo hein, dans le jeu. Alors je sais que j'ai beaucoup râlé là, quand j'ai fait la démo. Parce que je... Ouais, celle de défense. Je disais qu'il y avait trop de cinématiques. Mais c'est vrai qu'il en faut hein, finalement des cinématiques. Parce que la preuve là, j'ai bien compris. Je crois que la dernière fois, j'étais pas assez attentive. Tout ça à cause de ces sales monstres. On a remarqué. Alors arrête un peu de te plaindre et cherche l'émissaire. Je peux pas toujours pas de sauvegarde. Non, ils veulent pas que je sauvegarde. Bon. C'est un vrai carnage. Ah.
qu'ils vont pas nous remettre un gros méchant boss tout de suite? Parce que je sais pas, je récupère plein de sel. Attendez, je vais regarder un truc machin chouette. Non, c'était pas non. C'était dans les objets. Sel de défense qui est là, donc le sel de force. Ajouter au menu d'accès rapide. Ah, il n'y a pas de... Bah. Ah bah non, on en a que 3 en fait. D'accord, bon. Je pensais qu'il allait avoir une quatrième touche quand même. Non. Bon. Non, moi je vais plutôt mettre à ce moment-là le sel de défense. Force. Ici. Bon. Allez, c'est parti. Par là. Ah, ça y est, j'ai encore me mettre à tousser. T'as entendu ça? Regarde. Bon, en effet, Titan a mis une dérouillée au cendrouille. Mais où sont les autres? C'est pas l'armée principale. Attendez. La chance nous sourit, sergent. C'est elle. L'émissaire, t'en es certain? La religion christodoxe est barbare, comme tout ce qui vient du royaume de fer. D'après leur croyance, les émissaires sont des monstres qui souillent les cristaux, des aberrations. Leurs prêtres doivent surveiller le processus de transformation. Et j'en vois plusieurs. On l'élimine sans traîner. Bah moi je voulais me reposer un petit peu. Reichgott, Adonai Irin Sagarid. Bon, encore une grosse attaque. What I'll fashion an aukin, alatskeliast. Faites que ça s'arrête. Bon, elle avait l'air gentille, elle, pourtant. Davis. Bon, on va neutraliser un maximum. Compris. Hiverne, du côté de l'émissaire. Entendu. Oh non, elle pas tout de suite. Non, non, elle pas tout de suite. Non, 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 non. Non, mais je disais elle pas tout de suite. T'as pas compris, hein. Il a rien compris, hein. Aïe. Aïe. Je disais qu'elle avait l'air gentille pourtant. Yeah.
Faites attention. Putain de monstre. Je refuse d'avoir sa mort sur la conscience. Enfin libre. D'accord, ça y est. Shiva vaincu. Ah bah j'ai avoir un super pouvoir alors normalement. Miaou. Morte? Non, elle respire encore. Mène-toi! Il en arrive d'autres! Ah oui, il reconnaît la fille, d'accord. Non, c'est toi. Jill, qu'est-ce que tu fais ici? Faut vraiment que je fasse tôt! T'as fait mal ça. Merde. On n'a plus le temps, Wyvern. Mais qu'est-ce que tu fous? Lord Ohilda Vedra. Tu vas arrêter tes conneries et venir m'aider, bordel! Désolé, Jill. Bon? Mais qu'est-ce qui te prend, Weaver? Leur émissaire. Je la connais. Et alors? Regarde autour de toi. Si tu réagis pas, on va tous se faire buter. Ressaisis-toi. Continue. Il y en a encore? Non. Voilà une bonne chose de faite. Il me semble t'avoir donné un ordre, Wyvern. Ôte-lui la vie, qu'on en finisse avec ça. Je ne peux pas. Je refuse. Tu oserais trahir sans break? Trahir? Je ne me rappelle pas avoir prêté allégeance à l'Empire. Cette marque lui a peut-être assuré mes services, mais pas ma loyauté. Je ne me bats que pour survivre. Oh, ça y est, on va se battre contre lui. Oh, bon non. Bon non, si je voulais pas, moi je voulais arrêter là. Si tu ne te charges pas de la tuer, je vous bouterai tous les deux. Bah ouais. Je vous le dis, sergent. Je ne compte vraiment pas y rester. Ah quoi, qu'il va peut-être être facile, hein, je sais pas. C'est ce qu'on va voir. Moi, je lui ai enlevé pas mal de vie, hein. Aurais-tu oublié qui t'a fait intégrer cet escadron? Qui t'a formé? Bah oui, c'est toi qui m'as formé, mais là, on se bat pour de vrai, là, c'est plus l'entraînement. Parlez comme si nous ne portions pas la même marque, sergent. J'ai toujours... Tu n'es rien. Personne. Et je me laisserai pas vaincre par toi. Pas question de crever. Ah, mais dis-moi, j'ai eu un trophée, là. Bon, on l'a battu, le chef, là. Tu es pas un traître. Voilà.
On a toujours les petites musiques de fin, vous savez, dans les combats, là, le ton 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 ton. Donc en fait, il va quitter l'armée dans laquelle il ne voulait pas combattre. Oh, c'est embêtant là. Oh, Shiva va se réveiller. Quelqu'un d'autre? Ah, c'est le fameux, le petit animal là qui était gentil, non? Suis-moi. Sid! Maudit vent. Bon, tu te ramènes? Non, je me trompe peut-être, je sais pas. Vous savez, au début du 13 ans plus tôt, il y avait un petit animal, une sorte de petit chien ou un petit loup. Non, peut-être pas, hein, je me trompe. Enfin, ils ont l'air d'être gentils, ils veulent nous aider. Oh, la v'là, la méchante. Ego, Ego, tu parles d'un fier loup prédateur. Tu n'es même pas capable d'éliminer quelques sangs de rouille. Je m'attendais à mieux de la part de Titan. Tu as conquis la Reine des Glaces. Je te l'accorde. Mais si tu veux me conquérir, moi, il va falloir en faire un peu plus. Commandant, ce tonnerre. Il ne perd rien pour attendre. Tu n'as jamais été qu'un traître, Sid. Rassemblement, nous avons fort à faire. Et toi, tu es vraiment devenu un allié de taille. Oui, si, si, c'était le fameux petit loup du début. Un allié qui t'a carrément sauvé la vie, en fait. Talgor. Hein? Son nom, c'est Talgor. Vous connaissez? Je comprends mieux pourquoi il aboyait comme ça. C'est marrant. J'aurais plutôt pensé que tu préférais les chocobos. Clive Rosefield. Bah oui. Toutes ces flammes et cette adresse à l'épée. Ça ne peut être que la bénédiction de Phoenix. Il y en a qui disaient que tu étais vivant. Mais j'y croyais pas vraiment.
T'énerve pas. C'est pas pour tes beaux yeux que j'ai fait tout ce chemin. Mais elle, en revanche, elle valait bien la peine que j'use mes bottes. Elle est pas trop amochée. Mais je préfère demander un deuxième avis. Porte-la, Guts. Ne la touchez pas. Je vous préviens. On va pas la laisser ici. Surtout que j'ai un lit douillet pour elle. Allez. Non. Tu peux venir aussi. Tu veux l'aider, oui ou non? Sid, si on traîne trop, mamie va nous gronder. Je t'expliquerai tout quand on sera rentré au repère. Allez, viens. Bon, bah, on va s'arrêter au repère, alors on va aller au repère. Et... En tout cas, ouais, excellent, excellent scénario. J'aime beaucoup, j'accroche au scénario. Ouais. Alors, je sais pas s'il y a toujours des courageux sur le chat. Donc, il faut que j'aille là. Oui, puis on peut... Hein? Oui, bah non, je sais pas ce que... Non, parce qu'on disait que... ouais, je vais bientôt arrêter. Je continue un tout petit peu en boubouquetrice parce que je vais arrêter. Et attends, ça fait quoi, 2h30 que je suis en live? Boubou qui est triste, je sens de la tristesse chez Boubou, moi, je sais pas pourquoi. Mais je reprendrai, t'inquiète pas, mais pas demain, demain je ferai Hubris, demain soir j'essaierai du moins. C'est pas sûr, ça dépend. Non, je voulais partir en fait. Tu voulais partir, d'accord. Non, je continue un tout petit peu, parce qu'il parle d'un repère, alors je vais voir, on va voir, je sais pas, je continue un tout petit peu. On n'est plus très loin. Mais nous sommes au milieu des terres mortes. J'ai toujours pas sauvegardé. Bien observé, Clive. Plus rien ne pousse et il n'y a pas de magie. Personne ne serait assez fou pour vivre dans un endroit pareil. C'est pourtant là qu'on a élu domicile. Caché là où personne... Mais je peux rester jusqu'à la fin du live. Ça marche, Boubou, c'est gentil. Je me sentirai moins seul. Bienvenue au repère. Mais tu n'es pas seul, voyons. Non, je crois qu'il y a du monde quand même, mais sur le chat, quand vous parlez, je me sens moins seul. Bon. Bah là, c'est du tout nouveau, hein, puisque je connais pas tout ça. Repère de Cid. Donc j'imagine que ça va être un petit endroit tranquille. On va pouvoir acheter des choses. Ces ruines, elles datent du temps des Célestes. Oui, il n'y a pas de loyer à payer. Et au moins on est au chaud et au sec. Mais comment survivez-vous sans magie? 2h26 de live. Ouais, de live, j'aime bien la dame. De live, ouais. On doit avoir faim. On les produit ici. Plutôt pas mal, non? Comme tu le sens. Tu es de retour. Ah, Daria. Et voici donc l'émissaire. Elle est sonnée de chez sonnée. Je me disais que tu pourrais l'examiner et voir ce qu'elle a. D'accord. Guts, amène-la en haut. Mais mamie va... T'en fais pas. Ah, mamie, je sais pas qui est cette mamie, mais il en a peur, en tout cas. Tout payé? C'est la meilleure soigneuse du Verponant. La démo, elle, on en fait. Bah, la démo, elle est terminée, là, la démo. Allez, c'était jusque tout à l'heure où ça marquait... après la poursuite du Phénix, là. Là, ça fait pas partie de la démo, ça. Un homme appelé Cid. Alors, il est possible d'avoir une vue globale du repère ou d'une zone extérieure en appuyant...
Ah, mais d'accord. Icône d'objectif. D'accord. Oui, mais c'est au moins la moitié de ton live, non? Ah oui, 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 c'est vrai. Oui, oui. Ah bah la démo, c'est même plus de la moitié de mon live. C'est 2 heures de mon live, la démo. Ouais. Donc voilà, c'est la zone. Et l'objectif est là-bas. Et normalement, je peux sauvegarder maintenant. Oui. Bah ça, en fait, c'était... Voilà, la démo, j'étais arrivée au niveau 10, démo finale. Je l'ai supprimée, évidemment. Ok. Donc là, bah, je suis au niveau 11. Sauvegarde bien faite. Bah écoutez, je crois que je vais m'arrêter là. Attendez, je suis... La démo de 6 heures, promis pas Sony. Ok, je troll. Elle est où la démo de 6 heures promis par... Ah, il y avait une démo de 6 heures. Ah non, il n'y a pas... Par contre, il y a une autre petite démo après que... Tiens, les chocobos. En fait, quand on a terminé la démo principale de 2 heures, il y a un autre petit... je sais plus, un petit quelque chose qui se débloque. Et que j'ai pas essayé. Mais Sid nous déconseille vraiment de voyager seul. Donc c'est vrai que quand on termine la démo de 2 heures, il y a autre chose qui se débloque. Et j'ai pas, il y a une autre petite démo qui se débloque, mais que j'ai pas testé en fait. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a, mon grand? Tu veux encore à manger? Pas le temps. Non, bah pas le temps. T'as pas le temps. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Avec, moi, je sais plus quel abo tu avais des démos de 6 heures. Des démos de 6 heures. Bah moi j'ai l'abonnement premium mais j'ai jamais eu démos de 6 heures. Un nouveau venu. Bienvenue au cachot du repère. Un endroit réservé aux gens qui créent des ennuis. Ah. Bah je vais pas y aller alors. Ouais. Non parce que moi j'ai l'abonnement premium, j'ai des démos mais c'est pas des démos de 6 heures. Hein. Non, non. Et là si je vais en dessous, je peux pas. Merci d'avoir réparé le pilier du lavoir. Bon, ça va être... ouais. Il va me falloir une nouvelle épée. Ah, tu es le nouveau venu. Ici, nous étudions la botanique, comme tu peux t'en douter. Il n'est pas facile de faire pousser des plantes dans les terres mortes. Si nous arrivons à maîtriser de nouvelles techniques de culture dans ce milieu inhospitalier, nous pourrons atteindre l'autosuffisance à terme. Il y a peut-être des petites quêtes secondaires aussi qu'il y aura à faire, hein. Salutations. Toi aussi, tu es né pourvoyeur, comme beaucoup ici. Je me sens mal. Tu te sens mal? C'est toi qui l'avais promis lors d'annonce de leur abo, en fait. Ouais, bah non, 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 il n'y a pas de... C'est des démos. Même, ça arrive souvent qu'ils nous mettent des petites démos d'une heure seulement. Ouais, beaucoup de belles promesses, évidemment. Attendez, j'ai juste envie de faire ça, moi. Ah non, il n'y a jamais eu de version d'essai. Quand tu parles des démos, je pense que tu parles des versions d'essai. Mais il n'y a jamais eu 6 heures. Non. Allez, on fait juste ça. Je travaille sur un petit projet qui m'occupe. Et qui me donne franchement du fil à retordre. Sinon, j'essaie de comprendre ce que Clive Rosefield faisait sur un champ de bataille d'Almec. Un pourvoyeur de l'armée impériale de Sambrec derrière les lignes ennemies. Je pense que tu avais pour mission d'attendre le bon moment et d'assassiner l'émissaire du Royaume de Fer. Je ne savais pas que c'était Jill. Comment l'aurais-je su? Et quand tu l'as reconnue, tu as tué ton sergent, puis tu as essayé de fuir avec elle. Aurais-tu oublié le sort que l'Empire réserve aux déserteurs? Avec cette marque sur ta frimousse, tu ne pourras pas te cacher bien longtemps. J'aimerais pas être à votre place, Sir Rosefield. À la tienne.
Mais je prends soin de tous mes invités. Qu'est-ce que vous voulez, Adjil ? Rien du tout. Rassure-toi. Elle est libre, maintenant. Si je voulais me servir d'elle, je ne papoterais pas avec toi. J'essaie juste de les sauver. Les émissaires comme elle, et les marqués comme toi. Mais ça nous met tout le monde à dos. C'est pour ça qu'on se cache dans ce trou. Ça veut aussi dire qu'on a besoin d'aide. Les marqués qui savent se battre nous sont très utiles. Qu'est-ce que t'en dis, Clive ? Tu nous rejoins ? Bah oui. De toute façon, il n'a rien d'autre à faire. Sid, c'est ça ? Je veux bien vous faire confiance pour Jill. Mais il faut que je travaille seul. Pour venger mon frère. Le venger ? Mon frère a été assassiné. Par un deuxième émissaire de feu. Alors il y en a un deuxième ? Ah bah mince. Une autre rumeur se confirme. Si je suis encore en vie, c'est grâce à Joshua. Ça fait 13 ans que j'attends le bon moment. J'ai tout perdu. Vécu en esclave, et tué je ne sais combien d'hommes. C'est vrai. L'Empire n'épargne aucun déserteur. Je dois agir avant d'être capturé. C'est maintenant. C'est pour ça que tu devrais nous rejoindre. Mais je viens de vous dire que... Tu as tes raisons, je sais. Mais un de mes espions me dit qu'il y a des pourvoyeurs en cavale au nord d'ici, au village de la Nef Déchue. D'après lui, un de ces fugitifs pourrait être un émissaire de feu. En est-il certain ? Et si on allait lui demander ? D'accord, mais juste pour cette fois. Bon, bah va te préparer. Bon, bah ok. Tu auras ce dont tu as besoin dans le hall d'entrée. N'hésite pas à demander un coup de main. Lance-toi. Ok. Maintenant, plus qu'à nettoyer le bureau de Sid. L'éclair résonne. Ça me fait penser à The Witcher, ça, ou Skyrim aussi, qui avait des petites chansons comme ça. C'est toi que Sid a ramené ? Guts, c'est ça ? Est-ce que tu peux m'aider ? Il faut que je me prépare pour une mission. Tu sais où je dois aller ? La boutique, le forgeron ? Caron est occupé. Vaut mieux aller à la forge, c'est par là. C'est compris. Je vais voir le forgeron. Bon ? Attends ! Prends ça, c'est pour lui. Avec Blackthorn, vaut mieux pas venir les mains vides. Il adore cet alcool. Donc là, c'est que les petites choses, de toute façon, avant de partir en mission. C'est toi, Blackthorn ? Pourquoi ? J'espère que t'as une bonne raison de me déranger. Je pense, ouais. Je vais à la nef avec Sid et j'ai besoin de revoir mon équipement. Ben, je vois pas pourquoi je devrais me démener pour un type que je connais même pas. C'est pas mon boulot. Tu devras te débrouiller tout seul. Bah, il est sympa. Ça fait plaisir. J'ai un cadeau pour toi. Mais si ça t'intéresse pas... Tu connais le tuyau.
Bon, cette fois, je dois vous laisser. Bonne soirée à tous. Bon, y a pas de souci. Sabrina 820 gamine, ne fais pas les fous sur le chat. Y a pas de souci, Boubou, c'est gentil de ton passage. Je vais m'arrêter, de toute façon. Merci de ton passage et bonne soirée. Les voyeurs de Sambrek sont toujours aussi mal fagotés à ce que je vois. On sent que l'armée impériale a pas envie de faire beaucoup d'efforts pour eux. C'est pas gagné, mais... Sabrina 820 gaming, je sens que tu veux pas arrêter. J'ai du mal à arrêter, c'est vrai. Non, je me prépare pour la prochaine mission. Hein, je suis, c'est vrai, là. Je me prépare pour la prochaine mission. C'est bien, mais je vais arrêter. Tu m'as apporté à boire. La prochaine fois, ce allez, sera... je dis Boubou. Ouais, ciao Boubou, merci de ton passage. Que je ferai. Merci. Je vais te donner un conseil. Te sens pas trop obligé d'obéir à Sid. Mm-hmm. Notification de nouveauté au repère. En fonction de votre progression dans l'épopée, les services du repère peuvent avoir de nouveaux arrivages ou de nouvelles informations. Le marqueur machin sur l'icône apparaît alors pour vous pour indiquer une nouveauté. Consultez la carte de la zone. D'accord. Il faut que je remercie Guts. Ah bah donc il a autre qu'est-ce chose. Qu'est-ce que tu veux ça. Encore qu'est-ce qui te ferait plaisir. Ah non. Apporte les matériaux. Bah oui. On en reparle. Voilà. J'ai terminé le travail. Au revoir. Mm-hmm. J'ai du mal avec... Non, c'est équipement. Équipement, alors, je peux... Oh non, c'est pas mieux, ça. Bah, ah si, ça, c'est mieux, ça. Bah, oui, mais non, c'est déjà ce que je suis équipée. Ouais. Non, on va pas. On garde ça. Dans les compétences. Non, il va falloir que je m'arrête. Il va falloir que je m'arrête quand même. Non, je peux pas. Ça. Non, j'ai 140. Donc, je peux pas. Ok. Bon, bah écoutez, hein. Parler à Gats. Non, je vais m'arrêter là quand même. Je vais refaire ma petite sauvegarde. Boubou a raison, il faut que je m'arrête. Hein. Ouais. Voilà. Bon, en tout cas, excellent jeu. Hein. Oui, c'est, j'ai bien. 21h46. On va retourner à l'écran titre, comme ça va confirmer que j'arrête bien. Et puis, ben voilà, en tout cas, ouais, je suis très contente d'avoir recommencé, je dis recommencé parce que j'avais fait la démo, donc c'est la deuxième fois que je refais le début du jeu, mais j'ai découvert ce qui se passe ensuite. Donc vraiment, non, ce Final Fantasy XVI, moi, je le trouve très joli. Moi, j'aime bien le scénario, j'adhère au scénario. Donc, je le continuerai hein, sur YouTube, sur Twitch. De toute façon, les diffusions Twitch seront sur YouTube. Et puis, je vais continuer aussi Hubris hein, sur YouTube. Voilà, bah, écoutez, je m'arrête là pour ce soir. Je vous fais de gros bisous. Et je vous remercie tous hein, parce que vous étiez nombreux pour une fois sur Twitch. Parce que Twitch, j'ai jamais beaucoup de monde. Donc, pour la rediffusion sur YouTube, hein, n'hésitez pas à mettre votre petit like, à vous abonner. Puis moi, je vous dis, à joie que la caméra elle commence à ça scintille. C'est peut-être parce qu'il n'y a pas assez de lumière. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Salut tout le monde.